Ma chère Malvina, si tu savais comme je m'ennuie loin de toi. Heureusement qu'il y a l'air avec moi, parce qu'ici, nous ne voyons jamais personne. La nourriture n'est pas bonne. Le lit et le travail, c'est tout ce que nous voyons. Et ton pauvre François ici, il est bien à la plainte. Eh, mais pour un net que je te lis, on n'a que carte du parcours, oui. Ton pauvre François. Sale pauvre. Mais pour moi le vilain. Ah, et pauvre Malvina, pauvre Malvina, je ne peux tout m'impoliguer quand ma chère participe. Elles se font trop bien. Eh, je t'ai pas les petits à côté du métier, chou. Mais je ne voudrais pas des petits à côté à ça. Chou, chacun ton pénal, hein. Eh, si t'as mieux dans les jeux à quatre ou pas dans l'Alpec, eh ben, mais j'aime mieux les étreintes varinées, pas de sous ciel étoilé, de dame beau coco. En tout cas, un ciel étoilé d'un beau coco, là, mais je ne le verrai plus longtemps ici parce que Mich fout le cas. Là, terminé. Mais ouais, bon, je suis été convenu comme ça. Ouais. Alors, j'ai envie, on t'a déjà parlé. Mais tu me feras tout de même le plaisir, hein, quand tu seras arrivé à tourner. Je viens d'aller trouver ma vie, là. Ouais, t'as fait pour, t'as fait pour. Ah, mais, quand il dit, j'ai envie que tu restes, hein. Ouais, parce qu'il y a un type qui est capable de mettre le joint. Ouais, je le sais, tu l'as déjà fait répéter à ça, hein. Bon. C'est parce qu'elle pourra trouver sa parole. Mais si elle n'a jamais trop drôle, elle pourra te dire contente à ça, hein. Bon, alors te viens avec lui, logement. Ah, ben là, j'ai rendez-vous d'une nouvelle conquête. Encore tout dit? C'est le hier soir, là. Ah, je vois seul. Elle se débarque par ici. C'est tout à sa bonne. Quand une femme, elle met le colis à un homme. Ouais. Eh ben, je sais pas ce qu'elle te donne. Eh ben, cherche des mœurs. Et c'est pour ça que t'es pas venu dormir avec lui, à ça. Ah, on a passé une nuit. Ouais. Pas de soutien étoilé. À se raconter des baguettes. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et comment est-ce que je sais qu'elle s'appelle, là? Inaka. Inaka? Eh ben, je dois y vaincre, celle-là. J'avais que le nom de toutes les filles par ici, ça. Inaka. Justement, le vlog. Hein? Le vlog. Où? Depuis que tu m'as dit que tu vas m'envoyer à tourner. Et de quoi? Et oh! Et tu as dit que tu l'en as tourné, c'est ça? Mais ouais, mais t'as dit, il y a des moments, chaud, mais il ne sait plus qu'à quatre. Hein. Et de toute façon, il y a quelqu'un pour faire un tour. Ouais, tu pourras peut-être inscrire à l'école des textiles, t'as pas. Tu vas venir à la maison. Je vais te présenter toute ma famille. Ça y est, t'as fait un plein trait, c'est ici. Tu verras les papas, tu verras les mamans, mais des près de tous les petits. Ah, toi, avoir de la grimace, cette. Viens les petits séries. Mon sou. Où est-ce que j'ai de ça? Mon sou, mais quel copain. Joli cœur. Bon. Eh bien, pour Malvina. Eh bien, bien. Ah! V'là la Savella. Enfin, vous hommes là. Enfin, vous hommes là. Vous êtes toujours là, les hommes, hein? En pleine forme, je suppose. Dites. Hein? Je vois qu'on ne s'ennuie pas par ici. C'est vous qui le dites, savez? Parce que lui, j'ai maintenant envie d'entendre avec vous, hein? Et vous avez ce qu'il faut? Ce qu'il faut? Ben ouais, voilà 6 semaines qu'on attend après, ça va. Mais après quoi attendez-vous? Allez. Elle fait le pot sur pas qu'on plainte, hein. Enfin, monsieur. Ah, mais parce que vous passez, ça va. Mais je ne suis pas comme François, hein. Et là, ben. Comme François? Ben ouais, François. Comme camarade de travail. Lui, il pense qu'à une cause. Le soleil, les vaillées et puis tout le reste. Mais je pleure bien tourner. Oh là là. Ah, tourner. Une bien belle ville, n'est-ce pas? Ah ouais. Pourquoi vous connaissez? Un peu, oui. J'y ai passé toute mon enfance. Ah, eh ben oui, je suis du quartier Saint-Antoine. Ah, et François, il est du quartier Saint-Antoine aussi? Ah oui, mais lui, il est plutôt président du jeu de pierre. Oh, pas Charles. Mais tout ça ici, ça nous éloigne de nos sujets. Hein.
Sincèrement, Népoint, c'est quoi pour nous, chez Pomi? Un colis, un... Un colis? Ouais, ouais, ouais. Un colis. Ah, un colis! Oui, mais... Un colis ouais. En chair et en os. Votre cour? En chair et en os? Oui, 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 oui. Une certaine madame, attendez. Madame, madame, madame... Ah, madame Duponchel, qui s'est embarquée avec nous à sa vingtaine, et qui prétend être une envoyée spéciale des usines carton à Paris. Mais c'est pas possible, ça. Madame Duponchel? Oui. Mais c'est pas possible, ça. Si, si. Attendez, madame la voilà. Duponchel? Malvina! De toute façon, t'as plus pour longtemps, hein? 3 semaines, c'est vite passé. Vous l'aurez vu.
Elle vous aurait fait un beau voyage, chercher tout. Enfin, ouais. On s'expliquera tout dit avec lui. Ben non. Et alors? Ouais. Ah, ça va jusqu'à l'usine? Ben non, on va plutôt retourner au logement, il sera peut-être déjà là, hein. Attends, allez. Non. À moins que je vous des indigènes, mais là-bas. Des indigènes? Mais non, n'est pas ici. Vous allez bientôt bien, les indigènes. Chers plus lutte, par ici. Chers plus comme des fléaux. Allez, partez. Thank you.
Et alors? Et qu'est-ce que j'ai donné le sondage? Enfin, mais je t'ai proposé, mais je t'ai proposé, mais je réfléchis. Non, non, tu me réponds, je vais pas prévenir sur un moment. Enfin, mais je t'ai proposé, c'est pour toi, Malvino. Non, tu vas tout dévier si t'es pas meilleur seul. Bon, oh, ouais, mais je suis parti. Non, mais je te comprends pas, oui, ici. Tu me comprends pas. Chez l'ouvrier de l'usine. Et chercher les contre-maîtres ici. Et on danse? Ah, t'as par ici. Et chez la moto shop, plutôt que de faire une pause café, eh bien on fait une pause danser. Et faut qu'il fait le mouvement, hein. Et qu'est-ce que j'ai de ça contre mal? Ah, chercher chez tenue de travail. Tenue de travail? Et quoi, est-ce que t'as fait des salopettes comme ma femme qui a été chez Clémentier et moi avant de venir ici? Valérie n'est pas bien, salut! Ah, t'as eu ton repos, lui, alors! Mais qui était-il? C'est ta maman? Qu'est-ce que c'est qu'à raconter, là? Elle demande si chez Bati, maman, Malvina, maman. Je lui parle souvent de toi, tu sais. À tout cas, je ne sais pas ce que Valérie m'a raconté quel joint, mais tout ce que je vois, oui, c'est que l'avion il est là et qu'il nous atteint. Ah, mais il est battu, ce kilo. Pourquoi? J'ai dit qu'il revient. J'aurais que je m'arrête. On se fait. Ah non, on va partir. Comment on va partir? Si. L'avion, c'est la tradition. Il est bon. Dis-lui qu'il t'a pas demandé. Voilà, je suis prêt. Oh, est-ce que eh ben non, j'ai dit qu'il va arrêter. Oui, je m'arrête. Parce que de toute façon, comme t'es célibataire, elle sert à ma mère de jouer à tout ça. Quoi? De toute façon, Valérie, je n'y avais plus pensé. Mais François, il y a 15 jours de congé. Ouais, et plus qu'à parler. Thank you.
d'une édition du club de rugby. Vos éclairages, le décor et la machinerie, vous aviez Norbert Mas, Jean Dagravant, Stéphane Bory et Didier Cook. L'ingénieur du son était Guy Cook. Les acteurs ont soufflé tour à tour. On peut les applaudir encore une fois. Je vous répète que nos textes, les sketchs, étaient en partie inspirés d'anciennes revues du cabaret wallon. Le jeune ballet du quartier Saint-Antoine, ce sont toutes les petites filles de notre quartier. Il en manque une qui est malheureusement fatiguée, qui a fondu en larmes avant d'entrer en scène. Elle n'a pas voulu venir. Alors, les arrangements et toute la mise en scène étaient l'œuvre de notre ami Momo, Jean-Jacques Brabant. Voilà. Alors Jean-Jacques, c'est un petit peu un défi que nous avions lancé nous deux durant cet hiver. J'ai dit, je crois qu'il y a moyen de réunir des jeunes du quartier. Au départ, on avait un peu une crainte, c'est un peu normal, mais tout de suite, l'enthousiasme s'est révélé. Je crois que ce fut vraiment fantastique. Bien, vous savez que nous n'avons pas malheureusement de salle. Alors, il y a des personnes que nous voudrions particulièrement remercier ce soir, je crois qu'elles sont encore parmi nous, c'est monsieur et madame Lacman, les concierges du foyer Saint-Brice à Tournai. Je vais demander à madame Lacman de bien vouloir venir accepter ces quelques fleurs qui sont offertes par notre régisseur, metteur en scène, Jean-Jacques, à qui vous avez fait toute la confiance pour occuper votre salle. Vous êtes là, madame, encore? Vous étiez... Voilà. Voilà, on vous applaudit bien fort, madame Lacman. Merci de venir nous rejoindre. Attendez, prenez-lui un tout petit passage, elle va passer, voilà, voilà, voilà. On va même vous donner de la lumière. C'est très bien. Voilà, un défi qui a été relevé, un défi qui est réussi, toute cette jeune troupe, je vous demande de les applaudir encore une fois bien fort, et ils me l'ont déjà dit tout à l'heure en coulisses, ils vous donnent rendez-vous pour l'année prochaine, avec des sketchs qu'on espère cette fois de notre cru. Venez avec nous, madame. Voilà, on peut vous applaudir. Voilà, on peut vous applaudir bien fort. Acceptez ces quelques fleurs de Jean-Jacques. Et merci encore de nous avoir hébergés. Alors, on compte sur vous une dernière fois pour le Carabicho, pour le Chica Chica Jack. Tout le monde lève la main droite. Tout le monde lève la main droite. Uniquement la main droite. Tout le monde lève la main droite. On peut allumer la salle maintenant. On peut allumer la salle. Il faut que je voie ici. Tout le monde lève la main droite. Ça va? Est-ce que tout le monde a la main droite levée? Voilà. Tout le monde lève aussi la main gauche. Vous levez la main gauche. Vous joignez les deux mains. Un peu plus vite. On y va pour la musique. Tic 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 tac. Au revoir. Et on y va. Et on a l'ambiance. Allez, plus fort. Et rendez-vous demain pour notre deuxième soirée, la soirée parisienne avec les Fessards. Mireille Mathieu, Dalida, Claude-François, Serge Gainsbourg, tous leurs plus vrais que nature sur cette scène. Le duo, nous deux, qui vous emmènera dans ces années 60, 70 et tous les succès des années, de ces années-là. Dimanche également, dîner campagnard à Prix démocratique sous ce même chapiteau. L'après-midi enfantine animé par Philippe Le Prince, le chanteur pour enfants, c'est notre Henri d'Est de Belge.
chapiteau. Excellente fin de soirée, très bonne nuit. Il reste à boire et à manger. Ne vous inquiétez pas, on va vous mettre une musique d'ambiance si vous avez envie de danser un peu, de faire un pas de danse. La piste vous est ouverte.